Voilà, salut à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences, votre tribune. Ouais, l'actualité politique guinéenne actuelle, ça nous donne à réfléchir et ça doit nous donner beaucoup à réfléchir. Je me pose encore une autre question. La même question que Sidya Touré vient de se poser. Ou de poser au peuple de Guinée. Les dossiers qui sont en cours, pour le moment, on n'a pas encore entendu les dossiers concernant M. Lansana Kouyaté. Pourtant, il a été Premier ministre. Pourtant, il y a suffisamment de rumeurs qui coulent où on lui reproche une mauvaise gestion dans le cadre du projet Coton. Quoi qu'il advienne, lorsqu'on a géré un État, à un moment donné de l'histoire, on a l'obligation de s'expliquer. Lansana Kouyaté, ce nom revient rarement dans les débats. Et parallèlement, moi j'ai suivi sur les grandes gueules aujourd'hui des chroniqueurs qui sont en train de faire des appréciations comme s'ils étaient dans une logique de publicité à l'égard de M. Lansana Kouyaté. On ne va pas dire publicité, on va plutôt dire campagne. Aujourd'hui, M. Sidya Touré et Sélodane Ndiallo sont hors du pays. Les deux ont des problèmes. M. Lansana Kouyaté en est très content. Parce qu'apparemment, il se voit comme le candidat le mieux placé. En tout cas, pour le moment. Parce qu'on n'a pas vu encore d'autres formations politiques émerger. Voilà, on ne peut pas parler avec certitude. Mais en nous référant à la classe politique ancienne, il se voit un peu plus privilégié. Puisque, n'est-ce pas, il est un des leaders politiques. Mais pourquoi, jusque maintenant là, on n'attend pas de dossier sur lui? Pourquoi? Ils ont tous été premiers ministres. Pourquoi on entend seulement Sélodane Sidya Touré? Je ne comprends pas. Et comme je le disais tantôt, écoutez très bien et menez très bien vos investigations. Beaucoup de journalistes ont commencé à faire une sorte de campagne indirecte concernant Lansana Kouyaté. Ce qui reste clair, il est guinéen comme les autres. Mais ce qui serait mauvais, c'est qu'il soit quelqu'un que les gens cherchent à préparer pour l'exercice du pouvoir ou qu'on cherche à l'imposer au peuple de Guinée. Pourtant, nous avons vu comment il a exercé le pouvoir. Nous avons tous vu. Nous savons de quoi il est capable. Aujourd'hui, lorsqu'on dit le renouvellement de la classe politique, il faut évidemment donner la chance à la jeunesse. Et éviter d'imposer au peuple de Guinée ceux qui ont géré cette nation avec des difficultés. Aujourd'hui, on a plus que jamais besoin d'une nouvelle ère. Surtout la justice doit faire son travail. Pas du deux poids deux mesures. Si les Sélodane Ndiallo, les Sidya Touré sont inquiétés, tous ceux qui ont été premiers ministres doivent pouvoir s'inquiéter et répondre de leurs actes. Sinon, ça devient du deux poids, deux mesures. Il faut que les choses soient très claires. Et à entendre Lansana Kouyaté parler, vous avez comme l'impression que c'est lui le plus propre. Et aux journalistes de continuer de dire, oui, voilà, lui, il a fait ceci, il a fait cela. Le peuple de Guinée a les yeux ouverts. Nous avons les yeux ouverts. Et on continuera de marteler sur les choses lorsqu'on constate ne serait-ce qu'un petit hic. C'est de cela qu'il s'agit. Les journalistes ont leur radio et leur télé. Nous, nous avons nos Facebook. C'est de cela qu'il s'agit. Mais qui vivra, verra. Mais cette situation de Lansana Kouyaté, que presque les gens n'en parlent presque pas, il faut creuser.
pour tirer les conséquences. C'était la voix du samouraï.